Salut tout le monde, c'est Nightmare et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez courte on va dire. Parce que vous le voyez, si vous suivez la chaîne, Battlefield 1 est sorti le 21 octobre et on est le 8 novembre et je n'ai toujours pas fait de vidéo sur Battlefield 1. Là je vais en faire une, pas à proprement parler vu qu'il n'y aura pas de gameplay, il y aura juste le menu de Battlefield. Et merde. Et vous avez compris, on va ouvrir des battle packs, vous regardez le titre. Et je vais vous expliquer vite fait pourquoi je ne fais pas de vidéo sur Battlefield 1 en ce moment. Ce n'est pas parce que je n'aime pas le jeu, malgré mon faible niveau, je kiffe le jeu. C'est juste qu'en fait, pour ceux qui si, pas, on va dire qu'ils s'y connaissent en PC, mais qui font des vidéos PC, je vais mettre un petit peu de son du jeu par contre, je sais pas si vous en avez. En gros, ouais, c'était quand même un peu plus long. Voilà. En gros, j'utilise un logiciel que j'utilise là en ce moment pour filmer. J'utilise OBS. Et le truc, c'est que je sais pas si je peux vous montrer. Vidéo avancée. Voilà. Mon jeu, je le tourne en ultra. Et en fait, j'apprécie le jeu comme ça. Et le truc, c'est que quand je fais des vidéos, vu que OBS prend énormément de place, je suis obligé de le faire passer en... comment dire, je suis obligé de le faire passer en... faible, à la limite normale, si le gameplay n'est pas... Enfin, si j'ai pas le champ de vision amélioré, si j'ai pas toutes ces conneries. Et c'est un petit peu chiant. Du coup, j'attends et je vais bientôt me procurer... très bientôt même... un AverMedia qui va me permettre de capturer mon gameplay PC, du coup en meilleure qualité, en 1080p 60fps si je dis pas de conneries, selon celui que je vais prendre. Et du coup je pourrais vous filmer du gameplay PC. Donc là, par quelques vidéos sur des petits jeux qui me prennent pas trop, sur PC vous n'aurez pas grand chose dans les alentours là jusque mi voire fin novembre. Mais bon, trêve de bavardage, on va ouvrir des battle packs, c'est pour ça que vous êtes là, j'en ai 17. On va commencer par le pack de débutants, puis on va finir... c'est celui-là le plus fort. Mais en gros, le but des battle packs, pour ceux qui n'ont pas compris... voilà. En gros, les battle packs, c'est ça. C'est des caisses, comme pour ceux qui jouent à Call of Duty, à Counter-Strike ou même à Overwatch. C'est des caisses à ouvrir qui coûtent un certain nombre de... pour l'instant, d'argent virtuel, parce que si je dis pas de conneries... on peut pas en acheter. Non, je crois pas qu'on peut en acheter. Et en gros, ici on a ce qu'on peut avoir, c'est à dire que au maximum on peut avoir ça, c'est les plus durs à avoir, l'archiduc, enfin c'est en gros c'est des camouflages, hein, d'accord. Et ben les oranges c'est les plus difficiles à avoir, les bleus c'est les moyens et les gris c'est les communs qu'on a tout le temps. Et en fait sur le côté, un battle pack de base contient tout, c'est-à-dire qu'on peut choper un légendaire, ce qui est super rare, un bleu ou un gris, et on peut choper aussi des bonus, une pièce de puzzle. Je sais que sur console j'ai chopé deux bonus de ça dans un battle pack de base. Dans le battle pack amélioré, merde, quand je sélectionne battle pack amélioré, ben vous voyez qu'il n'y a plus les gris, il n'y a que les battle pack, enfin les camouflages bleus, les bonus et les légendaires. Et du coup, les battle packs supérieurs, vous l'aurez compris, il n'y a que les légendaires et les bonus. Mais bon, c'est vrai que là pour l'instant j'ai 0 de ferraille, mais je crois qu'un camouflage gris donne 30 ferrailles, si jamais vous l'avez en double. Donc pour récupérer les 900, faut s'accrocher. Donc là, on va en ouvrir 17, j'ai que des battle packs normales, hein. J'ai pas... De toute façon, je sais même pas si on peut en acheter, puis ça m'intéresse pas tellement. Donc là pour l'instant on peut choper tout ça. Donc si je tombe sur un orange, c'est bon, fin du game, mais bon, j'y crois pas trop. Vous voyez, ça fait une petite animation à la Overwatch. Et je crois que je l'ai déjà. Vous possédez déjà cet objet, voilà, donc je vais le recycler. Et ça va me filer 30 ferrailles. Voilà. Bon, on va aller cette révision. Hein. Écoutez. Si je tombe sur un bleu, ce serait déjà kiffant déjà. It was at this moment Jackson knew
He fucked up. Oh, oh putain, fin du game. C'est fin du game les gars. Oh putain sa mère. Ah, il y a 2 minutes où je vous dis putain, si je tombe sur un orange rouge, c'est fin du game et je me casse. J'ouvre deux battle pack et je tombe sur l'orange. En plus la barre elle me dit M19-18. J'arrête pas à regarder des vidéos qui font dessus l'arme, elle me fait surkiffer donc je la veux à tout prix. Oh putain, c'est un truc de ouf. Oh la vache. Ah, je l'ajoute à l'inventaire mon gars. Alors ah, celui-là, putain. Ah, j'ai jamais eu autant de bol dans des trucs dans ces conneries quoi. Donc là il me reste le mexicain et les Arditi. Bon alors ah, si je retombe sur un orange là c'est un truc de ouf. Ok, du gris. Je crois que je l'ai déjà. Non, je l'ai pas, donc j'ajoute à l'inventaire. C'est pas si moche que ça, mais bon, c'est déjà pas mal. Ensuite. Oh putain, les gars, je suis refait. Oh la vache. Oh. Oh, elle est belle. Elle est en simple gris, mais elle est belle. Dire que je vous ai fait ces vidéos, je suis en train de faire le montage, enfin je suis en train de faire le rendu d'une autre vidéo. Et je me suis dit bon je vais leur faire ça, au moins ça fera du contenu, puis moi ça me fait marrer parce que ça fait un moment que je les économise. Et mon gars je tombe sur un légendaire, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh putain. Oh putain, il est beau aussi, hein. Putain ils sont beaux les camouflages quand même. Ça change de certains jeux. Ajouter un inventaire, je crois que j'ai déjà sur console celui-là. Ouvrir. C'est quoi cette arme? C'est un sniper ça normalement, non? On ajoute à l'inventaire. Je crois que dans l'inventaire on peut revendre des trucs je crois. Je vais prendre une connerie genre ça, je peux pas le revendre? Si, je peux le recycler donc au cas où. Si j'ai un truc que j'ai déjà ou si j'ai un camouflage qui me plaît pas, je peux le virer. On en rouvre un. Ah, il est pas si beau que ça et en plus j'ai pas cette arme, mais bon c'est pas grave. Ah, je suis refait putain. Ah 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 ah, double. Pas grave, ça nous fait 30 ferrailles de plus. Voilà. Ah, et puis aussi vous avez pas remarqué, la Samy, le bar M18, m'a donné 270 ferrailles, donc c'est-à-dire que j'aurais pu m'en racheter un comme ça, mais bon. Le légendaire, je le garde. Hein. Je sais pas, il y a marqué PD là, bon, j'ai rien contre eux, mais pourquoi marquer ça sur un battle pack? Je ne l'ai pas, j'étais en train de dire putain je l'ai celui-là. Mais il est pas si beau que ça par contre celui-là. Je me sens un petit peu enculé là, dans l'histoire. Bon, je recyclerai tout mon bordel si je suis sûr d'avoir un autre battle pack. Parce que si c'est pour recycler puis dire de la merde. Ah, le révision 2 ça change. Ah, je peux gagner le colibri. Ah, ce serait cool. Ah ok, c'est pas la même chose à chaque fois. D'accord. Le colibri, je ferai une vidéo dessus plus tard. Parce que c'est vraiment un troll ce truc. C'est un gris je crois. Ouais. J'ai déjà. Je ne l'ai pas. Ah non, c'est la guerre. Ah putain, elle ressemble tellement à l'autre. On ajoute un inventaire. Bon là là on arrive bientôt à la fin là les gars, on a plus que 7 battle pack, là on arrive à la fin. Et cela, on peut gagner plus de dans plus de trucs dans celle-là. Le diable bleu, celle-là elle est géniale. Elle a l'air géniale. L'archiduc, enfin l'arme qui a l'archiduc, je l'ai pas encore. Ah j'ai déjà je crois. Alors je ne l'ai pas, mais je vais virer l'autre. Pour regarder celle-là. Hop. Ah, j'ai le Samy quoi, putain. Je suis content. Oh. Oh, il est beau, putain. Ah, ils sont beaux les camouflages. Hein, ça y a pas à chier.
Je suis chaud de l'avoir déjà, ça. Ou alors sur console, mais... Ah, bah... Je viens de tomber dessus, les gars, donc... Tac. Bon, ça m'en fait 90. Bon, c'est pas le top, mais... Oh, je l'ai déjà! Oh, je suis deg! Bon, ça me fait pas mal de ferraille, toute cette merde. Tac. Il en reste deux à ouvrir. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Oh, du bleu! Oh, je crois que j'ai... Ah, il y a du bleu! Oh! Oh, c'est classe, putain! Je la voulais, cette arme, en plus. Va falloir que je me l'achète, du coup. Ah, c'est classe, putain! Ah ouais! Ah, c'est classe! Ah, vous voyez, puis celui-là, il coûtait 90 à la revente. Encore un bleu! Non! Ah! Fiche-toi! Oh, du coup, j'ai comment acheter un, non? On va recycler l'objet. J'ai. Alors. J'ai de quoi racheter un battle pack. On va en racheter un. Tant pis pour celui à 450, de la merde. Oh, c'est un révision 3 en plus. Ah, c'est... ah, il me donne pas de la merde, les gars. D'accord. Ok, c'est pas moi qui me donne du truc. Ah, c'est du bruit, dommage. Mais c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Bon. On ajoute à l'inventaire. On va dans l'inventaire. Donc j'ai eu ça, j'avais déjà, donc j'ai eu ce camouflage là et celui-là. Ensuite dans les pistolets mitrailleurs, j'ai eu celui-ci. Celui-là je l'avais déjà, je l'ai débloqué. Non, c'est le tout premier que j'ai eu, je crois. Ensuite, on a eu bah, notre fameux Samy, hein, que je peux revendre 270, j'aurais pu m'en faire un à 450 du coup. Est-ce que j'ai pas fait une connerie? Parce que ce à 450, ouais non. Dans les 450, on peut avoir du bleu, donc j'ai quand même bien fait. En plus, que dans le bleu, on a l'autre, là. Donc non, j'ai quand même bien fait de garder mon Samy, parce que... Putain, on va se le remettre un petit coup. Ah, il est juste classe, les gars. Regardez-moi ça. Tout gold et tout. Putain, je suis pressé d'avoir la M1911. M1918. Putain, je suis con. Alors, ensuite, on a eu l'acte royal pour la Lewis. Au niveau des fusils... On a eu pas mal de trucs. Au niveau des fusils à pompe, on n'a rien eu du tout. Et en arme de poing, on a eu celui-ci que je trouve extrêmement stylé. Qui ressemble énormément au flingue. Bah, de toute façon, je crois que c'est lui que j'utilise. Que tout le monde utilisait dans Resident Evil 4. Et on a eu celui-là. Enfin, on a eu ces deux-là aussi, mais celui-là que je trouve juste génial. Tout argenté comme ça. On dirait un 357 Magnum. De maintenant, mais sur un vieux flingue de l'époque. Bon, les amis. On va se laisser là-dessus. La vidéo va durer, oh, allez, 14 minutes 30 avec l'intro, l'outro. Une nouvelle version de Battle Pack maintenant disponible. Oh, d'accord, bah, je vois pas. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un like. Ça ferait extrêmement plaisir et ça me soutiendrait. N'hésitez pas à aller voir dans la chaîne pour mes autres vidéos. Et ne vous inquiétez pas, je vais faire bientôt des vidéos sur Battlefield PC, parce que Battlefield console me fait un petit peu chier quand même. Surtout, vous verrez que c'est un peu chiant, je préfère quand même sur PC. Et je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao tout le monde, et kiffez sur Battlefield les mecs, parce que ce jeu est génial. Ouais, il est génial, c'est tout.